Sí, sí, freelancers por ahí. Se va bien, güey. A ver, y no. Sí, sí, freelancers por ahí. Hey. Alors, on est là au jardin. Toujours au jardin. On fait que ça. En ce moment, on a un petit peu de temps. On se repose des jours. Et puis, il y en a des jours, on sort au jardin. Et on voit ce qu'il y a à faire au jardin. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on va faire, d'ailleurs, au jardin. Parce que le jardin, c'est plein de surprises. On n'a pas encore récolté le maïs qui est là-bas. Je sais pas si tu le vois. Ouh! Il y en a le train qui va en Suisse, dis donc. Non, c'est jamais à l'avance ce qu'on va faire au jardin. Bon, je t'ai sorti pour mon trou. Arracher des racines, ce que j'ai fait. Bon. Ben, le travail est pas fini. Hein. Il est pas prêt d'être fini. Hein. Parce qu'en fait, c'est comme un réseau de la ville de la plomberie. Le système racinaire. Ça va partout, ça s'étend, je te raconte pas, ça va chercher l'eau, donc c'est compliqué. En fait, voilà, à chaque fois on découvre une grosse racine indésirable, même s'il n'y en a jamais rien d'indésirable. Bon, ben en tout cas, moi je te dis, j'ai planté tous mes boutures de trucs, des marcottages, des je sais pas quoi. Et voilà, j'en ai un pied ici, tu vois. Hop, c'est moi qui l'ai mis, je viens de le mettre. J'en ai mis un pied ici, c'est le deuxième, je te raconte pas. Ça fait deux, et ben c'est bien. Après, je crois qu'il y en a un troisième. Il y a un troisième ici, que je l'ai planté ici. Quatrième, ici. Il est planté là. Quatrième, c'est bien ça. Après, ah, il y en a un cinquième là tout de suite. Hop, il est planté lui, il est ici. Voilà, donc il y en a... cinquième, je crois. Sixième. Alors, on va recommencer. Alors, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit, après il y a le neuvième ici, et le dixième ici, c'est le même pied mais ça fait un Y, je l'en ai planté au même endroit, j'aurais dû peut-être les séparer, j'en sais rien, je préférais les planter ensemble que... Qu'il y en a un qui meurt pas, je sais pas, j'en sais rien du tout. Alors, on en a combien? Ben, je vais recommencer, je comprends plus rien, je suis perdu si je parle. Après, j'oublie. Alors, il y en a un ici. Allez, on va aller plus vite. Deux ici, trois, deux, ça fait pardon. Après, le troisième, il est ici. Voilà. Quatrième, ici. Cinquième, pas loin à côté. Cinquième, voilà, c'est bien ça. Six. Après, sept. Huit. Neuf. Dix. Dix bis. Après, ça fait 11. Et après, je sais pas s'il y en a un autre. Monsieur 11. Et après, je sais pas si j'en ai mis un autre. Il y en a 11. Et en vrai, il y en a 12. Voilà. Parce que j'en avais compté 11. Mais avec le 10 et le 10 bis, ça fait 12. Et voilà. Et tout ça, ça vient de seulement deux pieds. Alors, ils sont où d'ailleurs? Est-ce qu'on les voit encore? Parce qu'après, on fait la confusion. Voilà, les deux pieds sont ici. Voilà. Ils sont coupés ici, plein milieu de l'écran. Voilà. Plein milieu des roses. En plein milieu des... Des orchidées roses. Tu vois, avec deux pieds, comme ça, ça en a fait 11. Bah, c'est très bien. Parce qu'en fait, je voulais pas casser mes pieds.
Parce que casser les pieds, c'est pas bien. Je voulais pas casser mes pieds pendant que j'enlevais les ronces. Donc j'étais obligé de faire du marcottage, sinon je les aurais cassés. Donc là, je préférais couper et puis je les divise et puis ça fait de la matière en plus. Ça fera des pieds en plus. Et ça fait de la substance vivrière en plus. Et voilà. Et après, quand on va nettoyer, comme ils ne sont pas la même couleur que les ronces, on va bien les voir. Tu vois? Et on pourra défricher un peu autour sans abîmer ça, tu vois? Il y en a encore un pied de je sais pas quoi, je crois, il est par ici. Il faudrait que je fasse attention, dis donc. En tout cas, là, ça va. J'ai fait ce que je voulais faire. Bon. Alors, le petit bananier, j'espère qu'il va survivre l'hiver. S'il survit l'hiver, ça sera bien. Ici, il y en a de la dentelle. Comme tu vois, les choux dentelles. À cause des limaces qu'il faut manger. Mais ceux-là, ils sont moins attaqués que les autres pieds de choux qui sont de l'autre côté. Et sinon, j'en ai surpris des rats. Alors, j'étais en train de faire la pagaille dans les fourrés. Donc, il va falloir que je reparte à la chasse aux rats, dis donc. Eh oui, ils sont pas tout seuls. Il y en a un qui criait, il y en a un qui courait après l'autre. Donc ça veut dire que va y en avoir du travail. Bon, Mathieu, moi je vais te laisser. Je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Tu veux souscrire? Tu souscris? Tu veux pas souscrire? Tu souscris pas, c'est comme tu veux. Tu veux partager, tu partages pas. Partager, tu partages pas. C'est toi qui vois. Et puis, tu veux mettre un commentaire, tu mets un commentaire, pas de commentaire, c'est comme tu veux. Commentaire salace, si tu veux. Commentaire constructif, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Et puis, si tu mets un lien pour souscrire à ta chaîne, eh ben, je souscrirai à ta chaîne. Et je viendrai, et puis, voilà. Et puis, si tu veux que je regarde des vidéos, tu peux mettre aussi des liens. Il n'y en a pas de problème. Si c'est des vidéos de ta chaîne, il n'y en a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Donc, tu fais comme tu veux. Voilà. Moi, je te fais un gros bisou. Va falloir qu'on enlève le maïs. Je ne sais pas quand je vais l'enlever. Mais il va falloir que je m'occupe de ça, Riron. Il est encore un peu vert, un peu sec de par endroit. Bon, enfin bref, comme c'est des maïs, ils sont protégés dans la poupée. Il n'y en a pas de problème. Et puis les rats, ils n'ont pas encore eu l'idée de s'y attaquer. Donc ça va aller pour le moment. J'ai intérêt à faire très attention. Il durcit le maïs. Il commence à être vraiment bon. Voilà, il mérite d'être récolté, dis donc. Oui. À part ceux du haut, ils sont pas très mûrs. C'est parce que c'est encore vert. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y en a qui sont bons. Quand je vais récolter ça, ça va faire plaisir. Bon, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Et puis, n'oublie pas, reviens par ici, tu es le bienvenu. Allez, gros bisous.